Salut à tous, c'est Jérémy Gamer, j'espère que vous allez bien. Alors là, on se retrouve pour l'épisode 4 de Daygones, pour la mission C'est mon frère. On va faire ça ensemble. Donc là, faut niquer un clan. Donc le camp, il y a pas mal de monde. J'étais un peu trop vite d'ailleurs, j'étais trop gourmand. Alors. Pas cette fois. Et maintenant. Récupérer bien sa petite hache. Les pièges à ours. Ok, j'avais pas vu ça. Vite. Alors. Lui est mort. Ça c'est fait. Ah, je suis aux pompes. Bon. Là, je vais reprendre notre arme. Je vais pas faire du corps à corps, c'est chaud. Merde. Bien joué. Allez, allez. C'est pas trop tôt. Saloperie. Bon. Mince. Tac. J'ai surpris un coup de baston dans le dos. Alors, putain, il me reste quoi en soin, Putain, ah, il est là. Bien joué. Il me reste 5 encore. Ah, il me reste pas beaucoup de balles. Fuck. C'est quoi tous ces trucs? Il y en a un là-bas à droite. Je suis serein moi. Il est où ce con? Ok, d'accord. Merde, putain, j'étais. Il est mort. Oh, il y a un zombie. Enfin, je crois. On les a attirés. C'est pas ce que je voulais faire. Pour changer d'arme, c'est... Voilà. Oh, merde, bâtard. Attends. Là, vas-y. Ça défoule. Ça défoule, ouais. Non, je le vois. Putain. Bien joué. J'ai pas envie de crever maintenant. Et deux bastos encore. L'idéal, ce serait vraiment de... Maintenant. Voilà, parfait. Il me reste deux personnes encore à niquer. Il me reste une balle. Allez. Putain, je l'avais, mais j'ai vu qu'il me reste une balle.
J'aurais dû le voir venir. Là il me reste. Hop, ça. Il est où l'autre? Il est là. Carrément s'en approcher. Je te vois enfuir. Ah, il va amasser. C'était le dernier. Waouh. Maintenant on va récupérer sur le mont Oliri. Tout de la fumée de la montagne, ça c'est fini. C'est mon frère, 24%. Alors. La ferraille, cool. Déjà on va un peu se calmer. Allez. Bowser, c'est fait. Le camp de squatter. Non, la hache, c'est mieux. Plus personne sur le mont Oléry. Fais chier. Dick. J'aurais dû être là. Être là pour t'aider. 20%. Allez. Reste tranquille, Bowser. Repose-toi. On roulera vers le nord quand on va ira mieux, ok? Je l'ai buté. Ok. On en était où? Ouais, H, ouais, d'accord. H est morte. Terminé. Ça, ça peut servir. Hop. Sors. Ouais, je vais au cimetière pour voir si je peux pas trouver la cage de Léon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Contente-toi de te reposer, Bowser. On file vers le nord dès que tu pourras conduire. Non, je vais pas prendre ça, je m'en fous de ça. Alors, faut aller là-bas, ok. On va reprendre la bécane. Putain, Dick. Putain. J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Putain. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé, complètement défoncé. Il a mis son chargeur, il s'est tiré. D'après Manny, un réservoir rouge sur sa moto, il portait un casque de motocross argenté. Ok, allez. Si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, Dick. Vivant? Vivant. Rappelle-moi si tu chopes. Passer par là. Ah oui, grave. Ça, j'ai pas pensé. Ouais, y'a les moulots. Hein. Putain, Dick! J'en ai ras le cul de voir des drifters débarquer dans mon camp et buter des gens comme si on était dans le No Man's Land. Qu'est-ce qui se passe, Cope? Un type est arrivé, complètement défoncé. Putain, il a pris son chargeur et il s'est tiré. D'accord. Il y a un réservoir rouge sur sa moto, il portait un casque de motocross argenté. Ok, si je pars maintenant, j'arriverai peut-être à l'attraper. Je le veux vivant, okay. Dick! Vivant. Rappelle-moi si tu me chopes. On viendra le chercher pour le temps de cette pute. Je vais juste réparer ma moto aussi. Je ces enfoirés de drifters qu'on fait régner l'ordre dans ce camp. Dis pas ça pour toi. Par contre, je vois un truc. La carte. Là, je suis là. Faut que j'aille là. Yeah, ok. Je c'est ça que je voulais faire. Allez, c'est parti. J'espère que je vais en avoir assez. Non, non, tu vas finir par y rester. Il faut que t'attendes d'être établi. D'accord? Je suis pas loin de toute façon. Je vais m'occuper de Sandy. Ok? Ouais, ok. Merci, Dick. Il vaut mieux attendre la nuit. Oh là là, dans les bois. Oh là là. Voilà, je m'en occupe pendant qu'il fait encore jour. Ils seront plus nombreux mais moins balèzes. Il y en a partout les zombies.
partout. Oh, il y a un bidon d'essence. Ça, ça peut servir, je suis désolé, mais je vais pas avoir le choix. J'ai vu un bidon là. Celui-ci, c'est que je les ai attirés. Putain, je suis baisé, faut que je me casse. Me casse d'ici. Charge-toi d'Alvarez si tu veux. Oh la gueule. C'est important. Fais attention à elle, loser. Propose-toi maintenant. Terminé. Oh, il y a partout. Toujours besoin de trucs. Merci, vieux. Terminé. Il y en a partout. Ici, Radio Libre en réglo. La vérité vous libérera. Qui se souvient des quartiers pauvres de notre pays? Des gens que j'ai de vivre dans la rue, dans les quartiers délétants, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre le fameux rêve. Ce serait plus sûr de ce que nous. Certains de ces gens avaient infecté les couvertes, ok. Et les fédéraux les ont largués comme des merdes. SSPT. C'est pas les initiales de ça, le stress post-traumatique. Ça veut dire. Il reste que quelques comètes encore. Ouais, dans le cimetière comme il voulait faire. Attends. Putain, ok. Le mec, il l'a tatane. Ok. Y'a rien tout ici. Par contre, j'ai pas beaucoup. Ah ah, comme par hasard. De toute façon, c'était à prévoir, sauf que j'ai pas. J'ai pas grand chose. Le couteau pour l'instant, je. J'essaie de pas faire sonner l'alarme. Fuck. J'ai fait un truc là. Chiffon max. Ok, vous quittez la zone de mission, d'accord, ok. Mais vous faire quoi là? Trouver la statue de l'ange, ok. Trouver la statue. Oh putain. Oui, il est là-bas, ok. La statue de l'ange. Putain, elle est où cette putain de statue?
statue de l'ange, putain, c'est où ça? Ça pourra servir. Bandage. Complètement. Trompette de la mort, c'est ça, quoi ça? Putain, je suis sûr qu'il faut aller par là. Oh, putain, le bâtard. Putain, je vais pas crever. Ah, c'est ça. C'est forcément ça. Attendez, je vais juste récupérer. Ça. Bois de. Bois de je sais pas quoi, j'arrive pas à lire d'ici. Pourquoi il y a un hélicoptère là? Boozer! Boozman, tu m'entends? Tu vas pas me croire! Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Bah oui, mais je fais. Hélicoptère du Néron! Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer! Après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico. Je vais les rattraper. Et j'essaierai de. J'essaierai de voir ce qu'ils foutent. Putain, hey, fais chier. Fais gaffe. T'approche pas trop avant putain, de. Putain, fais pas de conneries. Mais non, je vais pas faire de conneries, ça va. Putain, vas-y, casse-toi, casse-toi. Putain, je suis plus bleu là. J'arrive pas à me guider avec, oh, il y en a partout. Allez, trace, 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 trace. Il n'y a pas les sangs, je sais, mais je suis baisé. Putain, par contre, j'ai pas les sangs, je suis grave dans la merde. Oh, attends. Ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. Voilà, on va attendre les feux déjà. J'ai plus d'essence. Ça fait un peu chier.
pas que je les bute quand même. À la recherche de Léon. Chercheur numéro, qu'est-ce qu'ils foutent ici? Faut que j'aille voir, que je comprenne ce qu'ils font. Bon, c'est parti, discretos. S'ils me voient, je suis foutu. Y'a quoi là, dans ce truc là? Y'a un truc à récupérer là. Je peux pas rentrer, j'en sais rien. Putain, ils font chier. Combien de temps ça va prendre? Oh fuck. Ça c'est si faut que je reste planqué derrière les buissons. Mais je fais comment pour l'avoir lui? J'ai pas lu ce qui, j'ai pas le temps de lire ce qui était écrit. C'est chaud là. Je m'en fous en fait. Ok, restez à la portée des chercheurs pour avoir les informations en fait. Numéro. Ah, il y a quelqu'un là, putain, j'en étais sûr, j'avais pas vu. Oui, oui, il y a le temps. Écouteur. Écoutez, pardon. En sens, je vais rester là. Hein. Comme les bébés. Non, non, non. J'ai demandé, c'est pas possible. Je me suis pas posé. Ces spécimens ne
hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Oui. Seconde pas. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. On est bien maître une fois du chat. Allez, dépêche-toi. Cette nuit, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde. Je suis désolé. Je suis presque à la fin. Sur nos pas. Ouais, faut, je crois qu'il faut retourner sur nos pas. C'était quoi? Attends. Faut que je reste derrière les forêts. Ouais, sinon ils vont me griller comme de la merde. Putain, c'est long. C'est pas si terrible. Baisse-toi, baisse-toi, baisse-toi. Regarde juste comment que c'est. Lui il est là-bas. Putain. Cache-moi pas la mission maintenant, mec. Ok. Alors on y va. Il y a lui là-bas. Il va monter ici. Que je peux me mettre là. Parfait. Putain, je sais pas si j'y vais maintenant ou pas. Non. Je n'y vais surtout pas. Ça c'est fait. Waouh. J'étais plus concentré à pas me refaire repérer que écouter ce qu'il disait en fait. Il ne dorme pas. Ça y est. Alors, pour l'instant, j'ai fini cette mission. Le monde de Nero. Tac. Le monde de Nero débloqué. Carreau à résidu. Alors. Tac, résidu retourne les ennemis les uns contre les autres. Servez-vous-en pour semer le chaos. Ok, d'accord. Ça sert à quoi là? C'est quoi ton truc? Boozer, tu me reçois? Boozer, réponds! Nick, salut, je te reçois. Attends, détruisez les ennemis. Le mec du Nero, le soldat, ou je sais pas quoi. Celui qui a emmené Sarah. Attends, de quoi tu veux? Il portait un badge. Il avait quel nom dessus? Oh putain. O'Brien. Il a parlé que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ok. Il est vivant. 2 kilomètres. Putain. J'aurai jamais assez d'essence. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Vraiment, j'en trouve. Ok, écoute. Absolument. Je suis entré dans leur zone d'atterrissage. Entrer dans leur ZEDA, mais t'es con. Écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Ils parlent
parlait d'un certain O'Brien. Nick, pas ça. Non. J'ai absolument vu de l'essence. Essaie de dormir un peu. Terminé. Je lui dis toujours de dormir. Ah non, mais c'est mort. Faut vraiment que je trouve l'essence. De l'essence, je suis où là? Putain. C'est quoi ça? Ah, ok, checkpoint. Ah, je peux aller ici. On va aller ici. Ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu la chance. La plupart de ceux qui ont osé défier les fédéraux, ça s'est mal fini pour eux. Et si putain, il me reste rien. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre en Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'ai quitté les fonds banalisés que je déplaçais de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter le temps. C'était Marc Copland pour Radio Libre. Ne gobez pas les mensonges. Non, Cope. Les cimetières sont remplis de mutants. Pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Hein? Pour pas avoir à écouter tes... Oui. Je sais. Conneries de Radio Libre Oregon. Une fausse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà? Ah oui. Plus d'essence. Non, ça devrait marcher. On va la réparer, par contre j'ai vraiment plus d'essence. Ce sera vraiment top que je retrouve l'essence, putain. C'est quoi ça? À prévoir, faut que je rétablisse le courant. Si je rétablisse le courant, c'est qu'il y a du. Il y a de l'essence quelque part. Faut qu'on trouve le groupe électrogène. Le jour se lève, c'est cool. Un peu plus clair. Alors attends. Putain, fais chier ça. De l'essence, s'il vous plaît. Ah, peut-être dans un coffre. Faut penser à ça. Non. Des mûnes. Ouais, ça on peut l'enlever au pire. Pour pas tirer les... T'entendais le bruit qui arrive? C'est quoi ce truc? J'en entends plein qui arrivent là. C'est moi ou j'hallucine? Putain, je peux pas ouvrir, fais chier. Un accès au toit. Ah oui, il y en a plein qui arrivent. Ok. Faut que je me casse. J'ai pas le choix, faut que je me casse. Faut que je le laisse passer. Ok. Ah, l'essence. Fat. C'est ça que je cherchais. Sauf que maintenant...
j'arrive à en mettre. Dans ma moto. Elle est où ma moto? Électrogène, faut que je retrouve. Enfin, faut que je le trouve absolument. Je me casse. Allez, putain. Ok. Bon, je me casse. Dommage. Bon, j'ai réussi déjà à mettre de l'essence, c'est cool. C'est quoi ce truc? Putain, j'ai plus de... Putain. Alors attends, j'ai juste eu un point de compétence. Résistance, résistance, ce serait bien de le mettre. Plus petit après avoir échappé à leur prise, ok. On passe en maîtrise, ok. Maintenant elle de rue. Ok. Est-ce que j'ai eu d'autres points de compétence? Ce serait pas mal. Par contre j'ai plus de... Oh putain. Comme par hasard. Elle est où ma moto? Des snipes. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Des hélicos noirs ont été aperçus dans le ciel. Elle a quoi ma moto? Vous avez peut-être vu ou entendu. Et vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve que j'avais raison. On pensait que et tous les autres étaient morts là dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Attends. Mais non. Comme je l'ai dit. Ici, putain, il y a un gros snipe derrière. En attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Putain. Et ça n'arrivera pas. Je me suis fait niquer. Je reprends là, putain, fais chier. Attends. Carte, voilà la carte. Vas-y, mais à fond, on va aller juste ici où j'avais été là. Pick up, là, là, c'est bien. J'aimerais bien réussir à faire cette base.
mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi. Celui qui a emmené Sarah. Attends, de quoi tu veux? Il portait un badge. Il avait quel nom, monsieur? O'Brien. On parlait que de lui tout le long du chemin jusqu'au Sleepinger Jack. Ok. Il est vivant, Bowser. Il est vivant. C'est pas possible. Comme moi, que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage. T'es entré dans leur ZEDA, mais t'es complètement... Écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Parlait de certains O'Brien. Nick, pas ça. Non, Bowser, inquiète, je vais juste... Il arrive quelques mètres encore. Terminé. Ici Radio Libre Orego. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté. Pas c'est quoi les points d'interrogation bleus qui clignotent. Cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. Attendez, c'était où déjà? J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des fédéraux. J'ai muté depuis un fort bidon d'essence. J'ai déplacé de ville en ville. C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Allez. Dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland. Allez, mon truc. Les cimetières sont remplis de mutants, pas de martyrs. Et si t'as pas arrêté de bouger, c'est parce que n'importe qui aurait fait sauter ta camionnette. Pour pas avoir un putain de conneries. Radio Libre Oregon. Les morts ne peuvent pas parler. Me semble, savez. Mais. Essayer, mais comment je fais pour rentrer là-dedans? Moi aussi, j'aimerais bien savoir comment faire pour rentrer là-dedans. Putain, faut qu'on se casse vite, 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 vite. Où ma bécane? Vite, 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 vite. Alors attends, je fais juste la carte. Tac. Putain, j'aurais pu le faire, fait chier ça. Mire imminente. Putain, ils font chier ces zombies là. Faut bien vous débloquer le truc. La planque en fait. On va essayer de descendre, on va essayer de se planquer. Oh là là, il y en a plein là-bas. Après, ils sont peut-être pas obligés de te voir. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de 1. Moto, elle est en haut. Faut que je trouve un moyen d'allumer un groupe électrogène. Une fosse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Par contre, moi aussi, je suis con parce que je me suis fait baiser mon essence qui est derrière. Putain, merde, fuck. Merde.
putain, ça veut pas se refermer. Et merde. Solution. Recherche du nom, pourquoi brûler les cas? Ah oui, brûler le cadavre de la... On va faire mission secondaire, on s'en fout. On peut essayer au pire. On va finir ça et puis après je vais quitter là. En aparté, peu importe. Encore quelques semaines, et j'imagine que tout ça n'aura plus d'importance. Mais ça fait ça. Quand même. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Voilà. Vous vous êtes dit que vous aviez enfin perdu de la boule. Mais non, ils sont bien réels. Et c'est la preuve. Ça fait longtemps, ça fait chier. On pensait que le numéro et tous les autres étaient morts là dehors, écrasés sous le poids de leur stupidité. Quel est ton truc qui clignote depuis tout à l'heure là? Ils se plantent depuis le début, en attendant de pouvoir émerger de leur souterrain pour reconquérir le monde. Mais ça n'arrivera pas. Pas tant que je serai là. Et allez pas vous jeter dans leurs bras en pensant qu'ils vont vous sauver la peau. Tous les mecs dignes de porter leur vie sont morts il y a plus de 2 ans. Ces types-là, ils vont tirer à vue. C'était on va retourner là-bas, hein. Ne gobez pas les mensonges. Putain, Co, ils vont rien récupérer du tout. Tu racontes n'importe quoi. Enfin, à part que... Ouais, ils tireront à vue. T'as de la chance. Ah, j'ai un petit bug, regardez. J'accélère, mais on entend plus le bruit de la moto. En fait, j'ai jamais fini de cramer cette zone de nidification. Bah oui. Y a un petit bug du jeu, sympa, sympathique. Le son de la moto est coupé. Juste à réparer en attendant. Voyons ce que je peux faire. Brûler le cadavre d'Alvarez. Mais se trouve ce cadavre. C'est qui? C'est lui?
Ouais, c'est lui. Par contre, tu fais comment pour brûler? T'inquiète, Alvarez. Je vais pas te laisser en pâture. Repose en paix. Ils pourront plus rien te faire maintenant. Ah bon, ça y est. Là, on cherche le Léon. Tête mise à prix. Bon, relis jusqu'au lieu indiqué. J'ai un nouveau point de compétence. De résistance. Roi de l'évasion maîtrisé. Après avoir échappé à une prise, appuie sur triangle pour tuer une ennemi. Qui vous attaque? Ok. Ouais, Dick. Moi, je suis occupé. Arrête, je veux dire. Merci, mon frère. On aurait fait pareil. Ouais, t'arrêtes. Regarde, bougez-moi. Ça, je l'ai pas vu. Elle est grande la map quand même. Franchement. Je vais passer par là où je suppose. Ou par là peut-être. Couper là. Je peux couper là en fait. Oh 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 oh. Calmos. Putain, c'est pas qu'on était tout à l'heure. Il y a les lasers comme tout à l'heure là. Les snipes. Non. Non, c'est pas là. Wow. Bon, je peux pas passer par là. Chier, putain. Ça lui sera fait comme ça. Tac. Ici Radio Libre Orégon. La vérité vous libérera. Cette terre, pour qu'on en fasse ce qu'on voulait. Pour en tirer les ressources nécessaires à notre bien-être et à celui de notre monde. Putain, attends. C'est le Seigneur qui nous l'a laissé. Mais c'était pas suffisant pour certains. Ils en feront plus. Pour les réserves de carburant. Ils ont monté les prix pour consommer leur pouvoir. Alors pour construire des barrages pour l'électricité, leur précieuse exploration de saumon était plus importante que de pouvoir se chauffer. On a voulu couper quelques arbres pour construire nos maisons. Mais les nids d'une poignée de chouettes tachetées étaient plus importants que toute l'industrie du bois. Maintenant que putain, les merde. Fédéraux sont 6 pieds sous terre, ouais, c'est pas ça que je voulais. On peut pas passer. Ah si, attends.
personne ne peut empêcher de la prendre ce qui nous appartient. Oh, okay. C'était Mark Copland pour Radio Libre. Ne gobez pas les mensonges. Putain, c'est long. Pète les yeux. Alors. Peut-être quelque chose dans cette unité médicale. Putain, faut vraiment que. Voilà. On va faire cette unité médicale grave. Allez, c'est parti. Le groupe X trop jeune, il est là. Par contre, il n'y a pas d'essence comme d'hab. C'est moins d'une, plus d'essence. Trouver des fusibles de recharge pour les. Voyons. Ah oui. Chier. Les plombs sautés. Oh, mais où est-ce que je vais trouver un fusible, moi? Non, pas par ici. J'aurais bien essayé d'allumer, de la mettre en marche. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On avance. Je vais juste couper cette merde là. Tac, ça s'est coupé. Très bien. Pourquoi il fait ce bruit là? Ah, attends, j'ai trouvé le bidon d'essence. Allez, dépêche-toi. Et voilà, on s'en lasse pas. Et voilà. Voilà. Allô, ma moto, elle est là. Je vais mettre aussi de l'essence pendant que j'y suis. Oh, j'étais à 9%. Oh. Tac. On va le poser là. Comme ça, on sera. Bon, maintenant, faut le trouver.